Jeudi 4 octobre 2018, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Lancement officiel, journée jeudi 4 octobre 2018, là, yon atelier consultation sous rapport périodique, application à recommandation comité droit moun, yon initiative premier ministre haïtien, M. Jean-Henri Seyan. 42 dossiers traités, 133 kg marijuana ak 2,5 kg cocaïne saisie, 4 machines confisquées, 3 armes saisies et puis la police posé scellé sous yon caille. C'est bilan différents opérations direction centrale police judiciaire réalisée pour mois septembre 2018 là à travers 6 départements PIA selon porte-parole PNH la Michel-Ange Louis Jeune. Dessalines papa inclusion tout haïtien c'est sous thème ça ministère jeunesse et sport ak action civique dans tête collé avec ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé journée jeudi 4 octobre 2018 là ensemble activité sportive ak scolaire k'ap gen pour marquer date commémoration assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines 17 octobre k'ap vini là association femme Kazek d'Haïti yo nan tête collé ak ensemble élu local nan région métropolitaine nan dénoncé campagne dénigrement yo di k'ap fait sous directeur général Ministère intérieur Fednel Monchéri Kazek Malia c'est juste critiqué député Marie Goa Lidi qui t'a à la base mouvement dénigrement ça une façon pour ta sale image directeur général là. À former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines. La troisième, messieurs, Stéphanie et Steven. Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, la Florida, Jules Minogue Rouillon, Jubilee Espérance, Michelove Etienne, en stage à Cour. Haïti doit connaître ses sens. Et c'est par le bien de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'Haïti, Haïti. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique. De la population MSPP. CPJS, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 2093. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, rivé 31 décembre, tout client Universal Motors a une chance pour vous faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol. Ou ap gen chance gen yon lot Nissan Patrol, même modèle là. Décabès. Yon pick-up Frontier, yon lot pick-up Frontier ka tombe nan men. Décabès encore. Yon Nissan Kicks, yon lot Nissan Kicks ap tan nou an di plis. Kicks pou Kicks, pick-up Frontier pou pick-up Frontier, Nissan Patrol 4x4 pou Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabès ça, c'est tout moun fwenn. Décabès. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test Drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Mmh.
La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sont de festage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait qu'on a en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing, boom bagay. Les ou sont artistes, faut qu'on ait sauvé les faits à clavier. Faut songer koto soti à qui koto voulait aller. Faut qu'on ait qui message voulait faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen ke fanatiko. Faut qu'on ait valeur création artistique. Si pour musique moi konn ki ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi. Moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan l'ouvri jeudi 4 octobre 2018 là yon atelier consultation sur rapport périodique application à recommandation comité droit moun qui était accepté par gouvernement haïtien pendant examen Haïti pour année 2014 Nations Unies. Une initiative l'état haïtien en tête collée ak section droit moun nan minu juste qui visait renforcer capacité ak mode fonctionnement système judiciaire haïtien ak consolider secteur droit moun yo. Diverses personnalités qui soti nan différents secteurs kap goumen pour justice ak respect droit moun te répond présent nan kad activité ça. Nan occasion Jean-Henri Seyan exprimé satisfaction pour initiative ça et puis réaffirmer obligation li di Haïti genyen pour le respecter et puis présenter rapport sous avancement ak amélioration qui fait sous respect droit moun ak justice nan pays a pour chaque période Jean réforme 2014 la mandel. Met Jean-Henri Seyan, c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Garlins lui ak Mackenson registre. Mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand privilège de vous accueillir ce matin à l'ouverture de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, et des recommandations du Comité des droits humains acceptées par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Qu'il me soit permis de saluer la présence à nos côtés ce matin de tous les acteurs des droits humains aussi bien au niveau étatique qu'au niveau non étatique. Votre présence à cette assise témoigne de votre adhésion aux valeurs universelles des droits humains. Mes salutations s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais ménagé leurs efforts et leur appui à notre pays en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la République d'Haïti a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits humains et a signifié, ce faisant, son engagement non équivoque dans la promotion
et la protection des droits humains. C'est pourquoi, en tant qu'État parti, notre pays a l'obligation de présenter des rapports de mise en œuvre des différents instruments auxquels il a adhéré. Cette obligation se traduit en pratique par la rédaction des rapports initiaux et périodiques, ainsi que leur présentation au mécanisme de surveillance des Nations Unies selon la périodicité propre à chaque organe conventionnel. Les rapports et les recommandations de la Commission sont pour les États membres des repères importants qui leur permettent de répondre plus efficacement aux demandes et attentes des populations dans le domaine des droits humains. Ils permettent aux États parties de traduire les normes universelles et les conseils en mesures pratiques visant à assumer la justice sociale et pour avoir une incidence pratique sur l'amélioration de la situation des États parties aux différents instruments internationaux de promotion et de protection des droits humains. Je ne saurais ne pas signaler que, dans le passé, nous n'avons pas toujours été en mesure de soumettre les rapports initiaux et périodiques de suivi et de mise en œuvre de ces traités. Des progrès considérables ont été accomplis en ce sens grâce au secrétariat technique du Comité interministériel des droits humains, des droits de la personne. Ces progrès ont été appréciés dans le domaine des droits humains et ont contribué à changer l'image du pays au niveau international à un point tel qu'en 2016, on parlait de la possibilité pour le gouvernement haïtien de postuler un siège au Conseil des droits humains des Nations Unies. Sous Bopal, officier de droit monde, mission Nations Unies pour stabiliser justice haïtienne, Marcelo Jean-Louis, qui présente raison, lui fait connaître qui poussait minuit juste réaliser ensemble activité sa yo, déclaré c'est un souci avec mission organisation en gagné pour appuyer et assister Conseil supérieur police judiciaire avec un ministère justice là pour permettre de jouer plus bien rôle à travers greffe et paquet yo, pendant li annoncer ensemble activité cap continuer réaliser pour arriver l'année 2019 pour renforcer capacité et changer qualité travail et service système judiciaire haïtien. Marcelo Jean-Louis, c'est officier de droit monde minu juste là qui était dans micro radio télé clair en suivre. Au niveau de cette section appui institutionnel, nous fournissons un appui au CSPJ et au ministère de la Justice. Particulièrement avec le ministère de la Justice, nous travaillons de façon à appuyer et à renforcer l'inspection judiciaire de ce ministère. Parce que vous savez, la plupart de ceux qui côtoient les tribunaux et les parquets, ils se demandent souvent s'il y a un service d'inspection au niveau du ministère de la Justice. Cela constitue une préoccupation pour nous au niveau de la MINUJUST. C'est la raison pour laquelle nous avions, de concert avec le ministre et le coordonnateur de l'inspection de ce ministère, nous avions développé un projet qui vise à renforcer et à redynamiser le service de l'inspection au niveau du ministère de la Justice. Eh bien, ce projet comporte plusieurs niveaux. D'abord, la finalité, c'est de mieux outiller les inspecteurs judiciaires pour qu'ils soient mieux à même de remplir leurs fonctions de contrôle des greffes et des parquets. Et nous prévoyons d'effectuer une série de tournées d'inspection avec eux. Cette série commencera à partir du mois de novembre et se terminera en mai 2019. Et avant cette tournée d'inspection, nous avions jugé bon d'organiser une série d'ateliers avec eux. Par exemple, l'atelier de cette semaine qui s'est déroulé sur 3 journées a porté sur les indicateurs de performance des parquets et les outils de contrôle et d'inspection que les inspecteurs doivent utiliser lors des visites que je viens de vous signaler. La semaine prochaine, nous serons encore là pour 2 journées. Ce sera pour réfléchir sur un plan de développement de l'inspection. Ensuite, nous clôturerons cette série d'ateliers les 24 et 25 octobre prochains avec un atelier de formation pour les inspecteurs judiciaires du ministère de la Justice. Et lors de cet atelier de cette semaine, nous avions réfléchi sur les indicateurs de performance des parquets, sur les objectifs et les résultats que le ministère doit attendre des commissaires du gouvernement à la fin de chaque mois et à la fin de chaque année judiciaire. Certains outils de contrôle que les inspecteurs utilisaient déjà méritait d'être actualisé
eh bien, nous avions jugé bon d'appuyer les inspecteurs dans l'actualisation de ces outils et aussi dans la conception de nouveaux outils. Donc c'est en quelque sorte cela que nous avions réalisé au cours de cette semaine. 42 dossiers traités, 133 kg marijuana et 2,5 kg cocaïne saisie, 4 machines confisquées, 3 armes saisies et puis la police posée scellée sous une caille. Ces bilans différents, opérations, direction centrale, police judiciaire réalisées pour mois septembre 2018 là, à travers 6 départements dans le pays, selon porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, qui fait connaître institution police là prend toutes dispositions pour combattre phénomène banditis là dans le pays. Michel-Ange Louis-Jeune, c'est porte-parole PNH là qui était dans le micro, Roberto Dorville et Ricardo Régis. DCPJ, il y a plusieurs unités. Il y a un BLTS qui est brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, à Delma 31, au domicile du nommé Johnny Lamartinière, qui fête le 15 janvier 1976 à Binet. Il a saisi une quantité de 133 kg marijuana. Et le 19 septembre 2018, à Jean BLTSO, il a été procédé à l'arrestation Kenrick Ronitz Rick, son citoyen Badameyen, qui fête le 11 février 1995. En possession de 2,5 kg de cocaïne. Le dossier Sayo est tout transféré dans le paquet pour les suites que de loi. Alors, ce que brigade de lutte contre le vol de véhicules et interpellé Clivens dénoyé pour vol de véhicules en date du 3 septembre 2018 et le dossier Sayo est transféré dans le paquet Croix des Bouquets le 7 septembre 2018. Bureau des affaires financières, BAF, mené une opération à Terrier Rouge. Opération ça permet que l'interpellé Bechtel Chéri. Bechtel Chéri baille information dans l'audition et c'est comme ça, brigade affaires financières, de conseil avec agent BLTS, ils sont allés au CAI. Les arrivés au CAI, ils ont arrêté ingénieur Philippe Etienne. Ingénieur Philippe Etienne, alias Pipo, c'est un ingénieur travaux publics et que ingénieur ça a détourné plus de 153 millions de gourdes. Il a procédé à l'arrestation pour vol de chèques, faux, usage de faux, blanchiment des avoirs, détournement de fonds publics, association des malfaiteurs. Ingénieur Pipo, son ingénieur qui spécialise lui dans falsifier chèques et lui détournait plus de 153 millions de gouttes dans le système ça. Et dans le cadre d'opération ça, il y a deux véhicules, un Toyota Prado et un Mercedes que la police lui avait confisqué et une arme illégale de Smith & Wesson calibre 40. Tout bagage ça c'est propriété ingénieur Philippe. Et dans le cadre de dossier ça tout, et yon kay, dans la commune d'Elma, est arrivé saisi au profit de l'État haïtien. Tout dossier ça nous parle là, yon mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Antibonite, du Sud-Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest, bien sûr. En résumé, pendant toute période ça, DCPJ traité 42 dossiers. 21 ans, 42 dossiers, ça y est, déjà déférés par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit. Alors, il y a 21 autres dossiers qui sont en cours de traitement. 4 véhicules confisqués, en gros, et 3 armes saisies. Et tous les dossiers, ça y est, c'est des dossiers BPM, Service Interpol, qui est dans le DCPJ, Bureau Affaires Criminelles, Bureau de lutte contre le vol de véhicules, Bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, le Bureau des affaires judiciaires. Le CBJ, encore une fois de plus, déterminé plus que jamais pour réprimer tout acte criminel, pour ne pas quitter aucun bandit qui a semé trouble en dans population, pour finir semé trouble, et puis qu'on est là pour vaquer tranquillement à l'activité. J'ai fait tout ça dépend de lui. Il déployait toute enquête, non seulement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, mais à travers les 10 départements géographiques du pays pour permettre, mais tout bandit hors d'état de nuire et pour permettre à la population de faire activité.
L'autre formation association Femmes Kazek d'Haïti ont été collées à ensemble élit local dans région métropolitaine dénoncé campagne dénigrement yo dit qu'a fait sous directeur général ministère intérieur collectivité territoriale la Fednel Monchéri dans intervention Kazek premier section Montagne Noire, commune Pétionville, Malia, c'est juste, qui félicite directeur général ministère intérieur, il fait connaître cap travail dans intérêt collectivité, yo. Critique député Marie Goa, Deus, Deronet, Lydie, qui t'a à la base mouvement dénigrement ça, yon façon, pour ta sale image, directeur général, là. Pendant li fait connaître association Kazek, yo pral, signé yon pétition pour bay diverses ambassades dans pays, ya, pour dire yo pas camper à ka séance formation, yo. Plus information à Kazek, première section, Montagne Noire, commune Pétionville, la Malia, c'est juste qui était dans le micro radio télé clair. Pour nous venir dénoncer campagne dénigrement ça qu'a fait contre DG Fednel Monchéri qui c'est directeur collectivité territoriale là. Nous-mêmes en tant que Kazek, nous venons là pour nous dire la presse, pour nous dire président République là. Excellent Jovenel Moïse, que nous-mêmes, nous courons déjà à 100%. Nous pas dit député, que a fait vise à la parler, et puis nous avons tout dit ça, tout. Il n'y a pas qu'à venir là pour réduire Kazekio, pour réduire Azekio, délégué de ville, leader communautaire, avec un simple visa. Visa sont courtoisie liés. Et puis encore, nous avons tout dit député, qui est-ce qui bail visa? C'est consul qui bail visa. Koto nan pays koto vle ale a, ou al faire demande visa devant consul nan. Nan pe expliquer de nan fait en passant bref présentation qui jan que a fait visa officiel la ye pour nous-mêmes Kazek. Déjà mon Fednel mon chéri, te vinn mette nous au courant. Li chita avec nous, li dit que li fait demande formation pour les élus locaux. Li fini, li dit que moun ki vle ki senti en mesure pour participer dans une formation mais qui ça a besoin le pour faire passeport officiel là je vous fais un simple passeport c'est tout ça a besoin exception que ou sont élus ou a vini avec arrêté au côté que ou sont élus et puis ou a vini avec certificat que KEP te délivré ou c'est comme ça li fait ça veut dire là pour faire passeport officiel ça pas gè magouille là dedans parce que faut venir avec arrêté pour montrer que ou c'est un élu député ou c'est président collectivité territoriale c'est pour la première fois moi tando dans la presse ou parler comme ça côté que ou voulez réduire nous avec un simple visa député n'a pas dit ou bien nous qui 15 mois 15 à 16 mois depuis nous élu. Nous qui un projet porte d'entrée puis te ban nous jusqu'à présent pour qu'on chambre fait. Yo dit que nous te mettez nous-mêmes parlement nous te mettez 1 million de goudes dans budget national là pour nous côté li mais année fiscale la fini son l'autre année là qui rentré. N'a mandé ou nous dit bien nous c'est haïtien. L'homme n'a parlé nous comprendre ça ou dit créole parler créole comprendre. Puis voyez dans ambassade dans l'ambassade yo États-Unis, Canada, la France pour nous dire que pour pas camper soit faire formation. Pas formation c'est pour nous le bon. L'informer c'est nous former. Député, nous parler avec pour bien comprendre. Créole parler, créole comprendre. Plusieurs dizaines de directeurs l'école privée qui étaient dans le programme Sugoyo planté piquet yo bien bonnet journée jeudi 4 octobre 2018 là devant primature sous bicentenaire. Objectif sitting ça c'est pour demander à nouveau premier ministre Jean-Henri Seyan pencher sous dossier dette professeur Sugoyo directeur l'école privée ça yo qui sorti dans diverses régions à travers 10 départements géographiques pays a dénoncé ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué à Genoa cadet yo dit qui pas gain respect pour aucun professeur et puis cap fait démagogie pour pas ta respecter contrat l'état à travers ministère éducation nationale là te prend avec l'école privée yo concernant Psugoa yo exiger pour chef gouvernement changer Pierre Josué à Genoa cadet en tête ministère en suivi une après l'autre intervention directeur l'école privée ça yo qui était dans micro radio télé clair qui permet aujourd'hui d'avoir des directeurs d'école obligés de mettre tête en situation comme nous avons dit des mauvais, même si ce sont des bagages illégaux, c'est constitutionnel permettre les droits à léser.
Lorsque l'État n'est pas groupé individu, il les aide ou qu'a fait city, ou qu'a fait manifestation, ou qu'a fait grève. Mais je dis à nous comprendre les absurdes. Comment qu'on comprend je dis à un ministre d'éducation nationale, il soi-disant, parce que pile pour qu'a fait monsieur avec information, pour nous donner tête ministère. Je dis à là, après un partenariat entre l'État et les écoles privées d'Haïti, nous déjouons au centre de l'État demander nous pour nous donner des dans l'école nous gratis. Ok? L'État a joué un rôle parent. Mais l'État, ça, je dis à l'autre, c'est lui-même qui débat nous, il y a un contrat. Et le contrat, ça, c'est un contrat d'adhésion. Pourquoi ça me dit? Gros contrat, il va nous faire régime. C'est l'État qui te promet les propres gros contrat. Et je dis à même l'État, ça, je dis, pour nous violer, gros contrat, que lui-même, il demande l'application. Comment homme d'État peut mentir dans la situation? Si des gros circulaires qui t'ont été tombés, en février 2017, nous avons recevoir une enquête qui fait faite. Le ça, c'est des ministres d'Orson et des gagnants de monde qui ont dirigé le ministère là. Dans même février, bon circulaire qui sortit qui dit que qui passe une restriction par l'ordre pour directeur d'école pour nous jouer un contrat. En dernier, bon, l'autre. Circulaire qui sortit encore, excusez, qui dit que circulaire ça, mais qui ça nous besoin pour nous signer un contrat. En dernier lieu, mon autre circulaire qui sortit, monsieur, directeur départemental du Nord, qui a envoyé 153 dossiers par le coordonnateur programme Nicolas pour te prendre, pour te garder le programme pour te bailler mon contrat. Je dis à la. Comment un homme qui est ministre, qui n'a aucun papier, Nabdil, qui passe un homme de temps comme directeur d'un lycée, qui n'a pas compris la douleur d'un directeur d'école. Monsieur ça, qui était directeur d'école, comme de petits vagabonds, comme de sans-avis, en voyant bon problème, on se monte sur la radio, manquer directeur d'école des gars. On va expliquer que nos directeurs d'école sont dans le nord, la Tibonie, nous sommes dans l'ouest, dans la plateau central, nous sommes dans NIP, des délégations qui viennent là, pour qui ça vient là? Nous venons là parce que nous venons comme un corps qui vient de droit. Toujours dossier éducation, diverses organisations syndicales dans le secteur éducatif haïtien annoncé une marche pacifique pour journée vendredi 5 octobre cap vini là dans occasion journée mondiale enseignant yo cap célébré sous thème le droit à l'éducation c'est aussi à un personnel qualifié. Mouvement ça a gain pour objectif dénoncer mauvais système éducatif haïtien. Secrétaire affaires juridiques Union nationale normalien haïtien Mona Bernadel ensemble avec secrétaire général Coordination nationale enseignant haïtien Magali Georges qui souligne ensemble revendication yo gagné pour améliorer condition vie enseignant yo longe louette yo sous ministre éducation nationale ak formation professionnelle la Pierre Josué à Genoa cadet yo fait connait qui pas jamais rencontré ak yo nan l'idée pour poser problème éducation an tout bon en suivant intervention yon après l'autre Mona Bernadel ensemble ak Magali Georges qui était dans micro Jean Dani Danis ak Marvin Henry. Dans le cadre de la journée mondiale des enseignants, avec une marche que nous avons organisée dans 4 journées, qui a démarré devant le lycée Marie-Jeanne demain 10h à M. Nous avons dit tout à Nessa, la journée mondiale ça, l'a fêté sous thème le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Pour nous marcher contre les conditions enseignantes, contre le système d'éducation dans le pays d'Haïti, l'a marché, l'a mal fonctionné. Nous choisissons le lycée Marie-Jeanne pour nous démarrer, parce que le lycée Marie-Jeanne représente un symbole pour nous. Et nous avons expliqué pour qui ça. Nous avons dit premièrement, nous avons marché contre salaire, contre mauvais salaire qui gagne dans le système d'éducation. Nous avons marché pour nous capables de gagner un bon gris salarial avec un salaire de base de 75 000 goudes. Nous disons qu'actuellement, un enseignant pas représenté un modèle pour élèves. Pour nous, comme exemple, l'on a pensé au moins de combien de monde qui a fait enseignant, ou pas jeune, au monde l'éphémère, parce que ou pas représenter un modèle de réussite pour enseignant. C'est pour ça que nous allons marcher demain. Nous allons marcher pour nous gagner bon genre assurance, maladie, parce que nous avons assurance que nous avons payé dans le Fatma. Chaque fois à l'hôpital, l'on fait l'hôpital là, ou dit que mais combien d'examens on a pour faire. L'on regarde pour tout examen plus cher, tout examen t'a dit qui coûte, examen tout le monde remet fait plus souvent. Yo. Ou di ou que examen sa yo assurance sans pas couvrir. N'a demandé ki jande assurance sa yé et chaque mois lè ou touche ou gade sou chèk ou ouè quantité kòb yo retire pour assurance sa. Ça fait longtemps ouais actuellement nous dit que n'a marché contre clientélisme, contre amateur qui a dirigé éducation actuellement.
N'a dit que ministre ça qui dans tête d'éducation, c'est pas un ministre qui pro syndicat, c'est un ministre anti syndicat. Depuis la monsieur ça monter dans tête d'éducation, hein, nous pas dire que j'aimerais rencontre qui fait pour poser problème éducation. C'est vrai que des fois que les ministres qu'on régler, mais n'a pas les gens, système ça li politisé, gens éducation politisé. Dans ces sénateurs députés qui fait nomination là-dedans, n'a dit que est-ce que des problèmes qui ca résoudre avec Jean de Mounsaï. Je nous dis, hein, ça fait longtemps que n'a posé problème non, problème yo, mais et politique là empêche problème yo résoudre. Nous sommes fait tourner national en dans pays. Nous, les gens, on a posé problème dans votre province. Plus grave encore que en province. Bon problème pour dans la salle de la nomination. Nous avons une enquête qui demande 2700 professeurs en situation irrégulière. Ça veut dire que les professeurs qui gagnent la nomination pas touchés. Nous avons 2000 qui sont dans la salle de classe sans lettre nomination. Donc, ça, du coup, ça a fait le ministre dit qu'il y a plus que 6000 lettres. 6000 lettres à supposer résoudre le problème dans largement. Qu'est-ce qui arrive? Quand il y a là 5000 lettres nominations distribuées, professeurs qui dans salle de classe, c'est pas une jeune lettre nomination. C'est de l'autre monde. Donc et lettre ça pour la plupart c'est monde député avec sénateur qui ba yo. Donc du coup, problème yo a retourné chaque jour qu'on a fini avec yo, il pas fini d'autant plus. Problème ça pas ca résoudre si l'état dirigeant dans l'État n'a pas décidé de faire l'éducation priorité. Parce que tout le temps, l'éducation n'est pas priorité. Tout changement nous besoin dans le pays, il n'est pas venu. Tout pays qui besoin de développement, pour mieux ça faire, il faut faire l'éducation priorité. Il faut choisir de traiter l'enseignant aux gens pour qu'il y ait meilleur élève intégré métier. Quand il y a là, est-ce qu'on peut demander à un petit monde qui est lauréat, par exemple, s'il a choisi, pour choisir faire. Et l'Oréal a un examen baccalauréat, il va choisir faire l'école, il va choisir faire l'école. Réseau étudiant pour démocratie critiqué ensemble visite premier ministre là a fait à travers différents ministères et institutions l'état yo membre directoire réseau étudiant pour démocratie yo qui présentait un tableau somme sur ensemble constat yo dit yo fait en dans pays a mandé l'état haïtien pour prendre bon gens disposition pour retirer étudiant yo en battante depuis environ 8 l'année et puis yo fait connait tout y a prêté mobiliser jusqu'à ce que yo joigne l'agent Petro-Caribéa plus détails avec membre directoire réseau étudiant pour démocratie yo Rubens Joseph qui était dans micro radio télé clair. Mais nous considérions année universitaire qui pourrait commencer et puis nous toujours en battant. Mais nous considérions année universitaire tout neuf qui pourrait l'ouvrir et puis gain pile dans faculté qui en battant jusqu'à présent. Mais nous considérons café té gars qui pas gain dans université l'état. Mais nous considérons lumière qui pour que jambe café sous dollar 50 l'an sous façon à utiliser. Mais nous considérons premier ministre Jean-Henri Seyan dans votre politique générale en batté pour mettre qu'il va réduire dépenses l'état. Les nous considérer lumière qui pas jamais arriver faire sous façon l'agent Petro-Caribé a passé. Les nous considérer mobilisation qu'a fait tout côté en dans pays a pour la justice Camaré pour Pabio dans l'agent Petro-Caribé a. Les nous considérer gros mentor Jovenel Moïse fait l'indiqué plus passer 10 villes dans pays a qui gain courant 24 sur 24. Les nous considérer cafétéria qui pas gagne dans université à la cause étudiant à mourir citoyen dans faculté de droit. N'a demandé pour peuple haïtien mobiliser contre gouvernement Moïse hein, parce que chef gouvernement te dit la réduit dépense l'état. Nous c'est trois ministères li mettait sous ça gain déjà. N'a demandé pour population rester mobilisée pour rejoindre côté l'agent Petro-Caribé à passer. N'a bataille pour la justice marre tout coupable. N'a fait population connait étudiants qui en dans université l'état a couru toute activité yo décidé faire pour joindre comment l'agent Petro-Caribé a passé nous même étudiants n'a dans la ria depuis 15 octobre pour commencer chercher dans qui 14 villes ça yo un qu'il pe Jovenel Moïse dit qui gain courant 24 sur 24 là 17 octobre tout université l'état a dans la ria avec peuple là pour demander côte comme Petro l'agent Caribé a passé. N'a corré toute forme de revendication qu'a fait tout côté dans le pays pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir comme incompétent. Claire Info a continué pour nous dire Dessalines, Papa Inclusion, tout haïtien. C'est sous thème ça, ministère Jeunesse et Sport et Action Civique. Dans tête collée avec le ministère Éducation Nationale et Formation Professionnelle, lancé journée jeudi 4 octobre 2018, là, ensemble activité sportive et scolaire qui a bien pour marquer date commémoration assassinat
Empereur Jean-Jacques Dessalines 17 octobre cap vini là, une activité qui joint subvention primatique cap démarré 8 pour arriver 13 octobre dans l'idée pour permettre élèves l'école yo gain plus connaissance sous vision ak politique Dessalines te gain pour Haïti. Selon ministre jeunesse sport ak action civique là Edwin Charles ak directeur enseignant secondaire Maxime Mesulas qui présentait calendrier différentes activités cap gain pour dérouler dans période ça. Plus information ak ministre jeunesse sport ak action civique là Edwin Charles ensemble ak directeur enseignant secondaire Maxime Mesulas qui était dans micro Garlands lui ak Mackenson registre. À travers ces activités environ 10 000 jeunes en majorité des écoliers des sportifs seront mobilisés à travers le pays notamment dans les quartiers vulnérables défavorisés dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. D'abord en athlétisme, en partenariat avec la Fédération d'athlétisme amateur, le week-end du 13 et 14 octobre verra le centre Sport pour l'Espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégorie allant du coussin Benjamin Minim, U17, U20 et Open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer, dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Arbreur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de 3000 jeunes. Sur le plan sportif, surtout au niveau du football, sous les labels du tournoi de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et aux associations communautaires. Ministère de l'Éducation nationale, qui a participé dans deux grands appels. Habituellement, nous participons à la question concours littéraire sur le thème l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, des Salines, l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, et l'équipe le dit en créole, des Salines, papa, inclusion, tout Haïtien. Et puis, sous thème ça, nous avons un sujet qui sortit là-dedans, qui deux sujets qui justement pour permettre Timounio et Timoun classe terminale secondaire 3 et 4 des taux philo traditionnels qui a participé dans un concours de textes littéraires dont le ministère a chargé de correction et commissaire. Donc résultat ça a publié le 13 octobre et au cours de 17 octobre là, journée 17 octobre là, c'est lauréat ça, les quatre lauréats que nous comptons jouer dans chaque direction départementale d'éducation, lauréat ça a primé par le président de la République et le Premier ministre. Ensuite, l'autre activité que le ministère a côté participé là-dedans, toujours dans le cadre de synergie qui est déployée entre le ministère de l'Éducation nationale et MJSAC, sous un grand événement ça, c'est question. Et communication. Communication dans le sens qu'il y a, va y avoir des conférences débat, animées par des professeurs d'histoire, de sociologie, sous thème qui choisit pour célébrer commémoration et anniversaire de mort et empereur. Voilà, cela nous mettait fin à 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Lancement officiel journée jeudi 4 octobre 2018, là, un atelier consultation sous rapport périodique application ak recommandation comité droit moun, une initiative premier ministre haïtien met Jean-Henri Seyan. 42 dossiers traités, 133 kg marijuana ak 2.5 kg cocaïne saisie, 4 machines confisquées, 3 armes saisies et puis la police posé scellé sou yon kay, c'est bilan différents opérations direction centrale police judiciaire réalisé pour mois septembre 2018 là à travers 6 départements pays selon porte-parole
PNH la Michel-Ange Louis Jeune. Dessaline Papa, inclusion tout haïtien, c'est sous thème ça ministère jeunesse et sport ak action civique. Dans tête collée avec ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé journée jeudi 4 octobre 2018 là ensemble activité sportive avec scolaire qui a gain pour marquer date commémoration assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines 17 octobre qui a venir là association femme Kazek d'Haïti dans tête collée avec ensemble élu local dans région métropolitaine nan dénoncé campagne dénigrement yo dit qu'a fait sous directeur général Ministère intérieur a Fednel Monchéri, Kazek Malia, c'est juste critiqué député Marigoa Lidi qui t'a à la base mouvement dénigrement ça, une façon pour ta sale image directeur général là. C'est principale information ça yo ak divers lot qui t'ai fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou t'ai accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darline François, rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.